Bonjour, c'est Axel, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vraiment tout vous montrer de A à Z comment est-ce que l'on crée une boutique optimisée pour le Black Friday, donc concrètement pour faire des ventes, pour surtout exploser les scores sur cette période de fin d'année qui, je vous le dis, va être monstrueuse. En 2019, il n'y a jamais eu autant de chiffre d'affaires réalisé sur l'e-commerce, que ce soit en France ou dans le monde entier. Donc, dans la vidéo, je vais vous montrer exactement comment est-ce que je fais, il va y avoir une petite partie d'introduction avec des slides, puis ensuite on passera à la pratique, donc je vais filmer mon écran et je vais tout montrer, tout faire devant vous. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite la vidéo, mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification, comme ça vous ne raterez pas une prochaine vidéo de valeur. Une fois que ça c'est fait, eh bien je vous dis à tout de suite sur mon écran et j'espère que vous êtes prêts à passer à l'action en même temps que moi. Ok, donc du coup on se retrouve sur mon écran, je vais vous présenter la formation express donc sur les slides, puis après on passera sur la partie pratique dans laquelle on va créer ensemble la boutique. Je vais vous montrer vraiment mes conseils, mes astuces, mes façons de faire pour le Black Friday, comme ça vous pourrez également l'implémenter. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important. Et d'ailleurs je vais vous annoncer quelque chose juste à la fin de ces slides qui dureront quelques minutes, donc ça va vous plaire à fond. Je vais vous partager un petit peu le concours qui va se passer dans cette vidéo, donc soyez attentifs. Le Black Friday 2019 se rapproche et il est temps de se lancer, de lancer ses boutiques à succès pour exploser tous vos chiffres. Mon rôle au travers de cette vidéo est de vous apporter toutes les armes nécessaires à vous faire décoller en dropshipping. Je vais maintenant vous présenter le sommaire, soyez attentifs. Alors, le plan de la vidéo très simple, nous allons commencer par quelques minutes théoriques afin de vous préparer à la partie d'application. Puis, nous allons passer sur la création d'une boutique accélérée sans passer par quatre chemins avec la mise en place d'une offre Black Friday solide. À la fin de cette vidéo, vous aurez votre boutique optimisée, clé en main pour le Black Friday 2019. Alors, avant de commencer, soyez attentifs, donc coupez toutes vos distractions. Également, préparez-vous à passer à l'action massivement en même temps que moi. C'est super important pour que vous ayez des résultats concrets. Et également, prenez des notes, appliquez la formation en direct. Alors, étape 1, on va créer ensemble votre boutique. Nous allons créer ensemble du coup votre boutique optimisée pour le Black Friday. On va le faire rapidement et efficacement. Donc en moins de 30 minutes, on l'aura fait. Soyez prêts à appliquer en même temps que moi pour un maximum de résultats. Vous avez également un lien d'essai de 14 jours pour créer votre boutique dans la description. Donc là, c'est dans la description de cette vidéo. Vous avez le premier lien, c'est le lien pour créer votre boutique. Mettez pause à la vidéo, cliquez sur le lien, créez votre boutique, revenez sur la vidéo et là, on attaque parce que ça va être du lourd. Lors de la création de boutique, je vous invite fortement à privilégier l'expérience client plutôt que certains petits détails inutiles. Le plus important est de faire des ventes, pas de faire la boutique parfaite, qu'on soit bien d'accord. Maintenant que l'on est clair à ce sujet, je vais vous présenter la deuxième partie de la vidéo et là, on y va. Ensuite, on va importer un produit de façon super rapide. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez trouver et importer un produit rapidement. On va utiliser Oberlo et Ecom Hunt ensemble. Alors, juste à noter, je vous recommande DSERS plutôt que Oberlo. Seulement, pour la vidéo, la configuration de Oberlo est beaucoup plus simple. Donc, je n'utiliserai pas DSERS aujourd'hui. Ensuite, on va paramétrer ensemble votre thème. L'objectif de cette partie, c'est de vous montrer comment est-ce que l'on va paramétrer rapidement notre thème pour maximiser nos conversions à Black Friday. On va utiliser ensemble le thème Venture que j'avais déjà présenté et j'en avais déjà parlé plutôt et j'avais déjà présenté le thème Narrative dans une précédente vidéo. Donc voilà, on va parler de Venture aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer tout ça. Alors c'est important, par contre, pour faire des ventes, ce n'est pas qu'une question de thème. Il s'agit fortement de la pertinence de votre produit et de votre marketing. Ensuite, on va créer ensemble une offre irrésistible. Pour que votre Black Friday soit un succès cette année, vous devez avoir une offre irrésistible à présenter. Nous allons créer ensemble une offre en béton pour pousser irrésistiblement vos visiteurs à acheter en masse sur votre boutique. Attention, encore une fois, si votre produit n'est pas bon et que votre pub est mauvaise, votre offre elle n'aura pas un impact maximal. Création de l'image de marque. L'image de marque, c'est le Graal en e-commerce. Votre boutique doit être professionnelle et vos produits doivent inspirer confiance. Utiliser les mêmes images que sur AliExpress, ça va vous faire perdre en crédibilité forcément. Nous allons voir ensemble comment utiliser Canva pour transformer vos simples images produits en présentation vedette irrésistible. Concours bonus, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai la clé finale pour participer au concours.
pour participer au concours et tenter de remporter une licence Profitbox, qui est ma nouvelle entreprise, mon nouveau projet qui aide en fait clairement ses membres à doubler leur taux de conversion. Honnêtement, on est déjà plus de 50 dedans, c'est de la bombe, tout le monde est en train de vraiment d'appliquer tout ça et il y a des informations totalement inédites. Donc voilà, en gros je vais offrir une licence, ça me fait plaisir, et également 50€ en virement cash, donc ce sera pour le gagnant. Voici les règles. Vous allez liker la vidéo dans un premier temps et créer votre boutique Shopify maintenant pour pouvoir suivre. Alors je vous le précise pour ceux qui se demandent, le lien que je mets, le premier lien pour Shopify, c'est une période d'essai de 14 jours, c'est un lien d'affiliation aussi et c'est le seul moyen de me rémunérer si vous ensuite créez une boutique, etc. pour cette vidéo. Donc toute la valeur que je vous présente, elle est gratuite, d'accord? Donc c'est vous qui voyez, si vous n'avez pas envie de passer par mon affiliation, vous pouvez également aller chercher Shopify sur internet, etc. Vous qui voyez, en tout cas le lien c'est le premier dans la description. Dans un second temps, vous allez passer à l'action massivement en même temps que moi pour créer votre boutique. C'est important et si vous ne passez pas en même temps, si vous ne passez pas à l'action en même temps que moi, vous n'aurez pas les résultats optimaux. Vous n'allez pas créer votre boutique également en 30 minutes, quoi. Ensuite, vous commenterez la combinaison de mots que je vous donnerai en fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça sert à rien d'aller maintenant à la fin parce que dans tous les cas, vous n'aurez pas le contenu de la vidéo, ce sera totalement débile. Voilà, allez, on y va maintenant et on se retrouve tout de suite sur mon écran. Yes, et du coup on se retrouve sur mon écran. Alors là j'ai déjà trouvé un produit rapidement, ça m'a pris littéralement une minute avec Ecom Hunt. Donc ça c'est un logiciel que je recommande fortement pour trouver des produits à la pelle. Vous avez également un lien en description qui est, je vous le dis, un lien d'affiliation qui vous permet d'avoir 14 jours totalement offerts sur le plan professionnel. Là vous ne pouvez pas l'avoir autrement que par mon lien du coup. C'est vous qui voyez si ça vous intéresse ou non. Alors là du coup par contre j'ai pris ce produit, on a beaucoup vu tourner le produit sans la perche. Et je pense que pour Black Friday, ça peut faire un truc super sympa avec la perche. Donc voilà. Je vais voir où est-ce qu'il est sur Oberlo. Ok, donc je vais télécharger Oberlo. En fait, simplement, première chose, on va créer un compte Shopify. C'est bien qu'il soit sur Oberlo, comme ça on pourra aller plus vite. On crée un compte Shopify. Moi, j'utilise une adresse mail temporaire parce que j'ai un peu la flemme. Tap. Et là, je vais mettre n'importe quoi en onshore. Excellent. Donc là, on a juste à attendre que ça charge. Vous créez le compte en même temps que moi. Donc, je vous rappelle, vous avez le lien. Juste, c'est le premier lien. Comme ça, on fait tout en même temps et ça va aller vite. Je vais juste vous passer le paramétrage, etc. Les settings, on va dire au niveau de mon nom, mon prénom, mon adresse, etc. Je vais mettre des informations bateau. Je vous recommande vraiment de mettre vos informations. Moi, cette boutique, je compte pas la mettre en ligne. Donc, vous pourrez la recopier si ça vous souhaite. C'est pas non plus l'intérêt. Mais voilà, si vous voulez faire des ventes, vous devez impérativement mettre vos vraies informations. Alors hop, je skip tout ça, je coupe l'enregistrement et je vous reprends juste après. Ok, donc là j'ai rentré mes informations, j'espère que vous êtes prêts, que vous avez créé votre boutique également. Je vous rappelle, on va utiliser ce produit là, donc c'est parti. Première chose, j'installe mes applications, on va prendre Oberlo. Hop. Alors on attend juste que ça charge rapidement et on prend directement l'application, comme ça on perd pas de temps, on importe notre produit et on enchaîne. Le but c'est vraiment d'aller très vite sur cette vidéo, vous allez voir qu'en moins de 30 minutes on aura fait notre boutique, vous allez littéralement pas en revenir. Comment est-ce qu'on peut aller rapidement lorsque on sait ce qu'on fait, qu'on doit juste se concentrer sur l'essentiel. Donc voilà, Oberlo, parfait, on est sur le dashboard, je vais essayer de récupérer le lien du produit, parfait, le produit. Import list. Import list, vous voyez comment, en fait c'est vraiment top, Ecommerce, ça m'a permis de trouver le produit, de me le prendre sur Oberlo en littéralement 10 secondes. Gagner du temps vraiment sur votre travail, donc là on va juste donner un nom à ce produit là, on peut l'appeler par exemple, j'ai n'importe quoi, super 3D, ou alors, allez hop, Cinemove 3D, hop. Cinéma portatif pour smartphone. Ok, donc là j'ai donné un super nom à mon produit, alors on pourrait trouver mieux, mais je l'ai fait en une seconde comme vous pouvez le voir au niveau des variantes. Hop hop hop. Alors on va regarder laquelle est la plus vendue tout simplement au niveau du stock. Bon, elles sont toutes pareilles. On va garder tous alors, on va tous les garder. Je vais juste changer la couleur noire. Et là on peut marquer 8 pouces. Idéalement ce serait d'aller sur. Sur internet pour comprendre, enfin pour vraiment avoir la bonne comment on appelle ça, pas traduction mais la bonne conversion entre pouces et centimètres. Du coup je vais laisser,
Siri qui m'a perturbé. Paf, 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 c'est tout bon. Au niveau des prix aussi du produit, moi je vais le mettre à 30. Donc je vais changer cette new. Je vais le mettre à 30. 29,99. Et je vais changer ça. Et je vais mettre au lieu de 59,99. Oula, 59 j'ai dit. Offre Black Friday moins 50% du coup. Super, alors là on va essayer de trouver des images un peu sympathiques. Celle-là la limite. Celle-là la limite. Oui, il n'y a pas des images super folles hein, par contre du produit visiblement sur ce fournisseur. Le top ce serait d'aller sur internet pour trouver des images, mais comme je vous l'ai dit là, le but c'est pas de vous faire un site à la perfection, c'est de vous montrer comment est-ce que je le fais rapidement. Ça c'est de l'optimisation, ça vient pas tout de suite. Hop, donc là on va éditer le produit sur Shopify. D'ailleurs pour les personnes qui souhaitent vraiment augmenter leur taux de conversion etc, à la fin de cette vidéo je vous invite à checker Profitbox. C'est vraiment notre nouveau projet qui va vous permettre de faire plein d'optimisations sur votre boutique. Après avoir monté la boutique en suivant la vidéo, vous allez littéralement pouvoir doubler votre taux de conversion avec les optimisations présentes dans Profitbox. Donc foncez, c'est mon conseil. Et maintenant on passe directement sur la création de tout ça. Alors pour la description produit, on va garder un truc très simple, on va mettre une accroche. Donc voici le futur du cinéma. Voici le futur. Hop, un cinéma partout, tout le temps. Hop, donc là c'est vraiment mon accroche, hein. Le but c'est de capter l'attention de mon prospect qui vient sur mon site. Là je vais mettre la couleur plus tard, je mettrai les couleurs plus tard. Hop, ici là je vais écrire tout simplement profitez de votre série ou film préféré. Série préférée ou film du moment en qualité cinéma. Alors juste j'aimerais bien que iTunes arrête de me spammer un peu. En qualité cinéma depuis votre smartphone sans sans limite ni contrainte. Point Cinemove 3D vous permet d'utiliser Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, et même votre galerie photo afin de partager votre votre écran smartphone sur afin de vous permettre de l'utiliser sur les photos et d'afficher un contenu haute définition. Voilà, allez hop, ça c'est fait, pas se prendre la tête plus que ça. Ici là j'aimerais bien mettre une image voilà du style comme ça là. Alors là preview, ouvrir l'image dans un nouvel onglet, hop. À la limite, je vais juste modifier l'image parce que c'est pas ouf. Donc là, je vous montre comment est-ce que vous modifiez l'image. Donc vous prenez le pinceau, couleur blanche. Allez, hop, on élimine tout, on colorie partout. Je colorie vraiment. J'ai peur qu'il y ait des bordures un peu. Voilà. Ah, il y avait un peu des bordures, vous voyez. À la limite, ouais, je vais reset parce que c'est pas beau. Je vais juste faire ça. Voilà. Done. Save, du coup.
Et là, du coup, on a notre image. À la limite, on peut même la cropper, etc. Ça peut être pas mal de la cropper. On l'éditera sur Canva, en fait. Je pense que ce sera mieux. Donc voilà. Alors, cette image-là, on la garde sous le coude. On va mettre ici, entre guillemets, image. Comme ça, on sait qu'on a une image à faire. Et ici, on va commencer à rédiger un petit peu. Donc là, je vous avoue que concrètement, je vais prendre du lorem ipsum. Parce que j'ai un petit peu envie d'aller vite. J'ai pas envie de perdre du temps sur la création de la description. Ça, je vous invite à checker d'autres vidéos sur ma chaîne. Hop. Et tout est bon. Voilà, on a notre description. Et ensuite, on mettra peut-être là une autre image. Et un. Donc en gros, commandez le vôtre maintenant. Voilà. Ça, c'est parfait. Sublime. Voilà, donc déjà on a fait un truc sympa. Alors j'ai voulu aller vite. Là j'ai le timer devant moi, en fait. Je sais que ça fait déjà 10 minutes qu'on est sur la création puis la boutique, donc on va accélérer encore. Alors maintenant on va très simplement aller sur le thème. On va installer Venture comme je vous l'ai dit. Attendre que ça charge un peu. Parfait. Explore Free Themes. Là on va prendre Venture, ici que je le connais bien. Hop. Super. Donc là on va attendre qu'il s'installe, puis après on va simplement le propulser sur la boutique. Donc on attend que ça charge tout simplement, et puis on va le propulser sur la boutique. Ok, publish. Voilà, sublime, excellent. Maintenant on va customize le thème de manière à rester très simple. Il faut savoir que le Black Friday, il y a des couleurs bien spécifiques au Black Friday. Alors, si je dis pas de bêtises, Black Friday. Ouais, c'est noir et rouge, principalement. Principalement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester sur ces couleurs là pour le site. Alors on va pas mettre du noir en haut sur le header parce que ça fait pas propre. Donc je vous conseille toujours trois couleurs sur votre site. Donc background, moi je mets toujours blanc, links, je mets du coup la couleur de notre site. À la limite on va mettre peut-être du rouge, on reste sur du rouge, je dis n'importe quoi. Ça nous fait penser à Netflix, le but ça va être de faire un peu un Netflix parce qu'on vend un produit du style. Hop, restez comme ça, text and background. Hop, il est où? Donc je vais vous montrer que même avec du rouge, en fait, on peut faire un site vraiment stylé. Hein. On peut faire un site vraiment stylé. À la limite, le header, on va mettre du noir. Alors attendez, hop, c'est le header, je voulais prendre. Voilà, mettre du noir. Et on changera simplement un peu les couleurs. Voilà, je pense que c'est bien comme ça. Donc comme ça, en fait, vous voyez des choses un petit peu différentes de ce qu'on peut vous montrer d'habitude. C'est bien aussi. Hop. Le menu, est-ce qu'on peut pas le... Non, visiblement pas, bon c'est pas bien grave. Heading text, hop. Content background, page background, allez ça va. Body text, hop. Bouton texte, c'est bon, parfait. Allez, là on touche plus à rien. Maintenant on va juste aller plus vite que ça. Typographie. Alors, j'aime pas celle-là. J'aime pas celle-là parce qu'on peut pas la mettre en gras. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une police un peu sympathique. Je vais chercher un peu avec vous là rapidement. Pour rester un petit peu dans l'idée qu'on aura sur du Netflix, etc. Je sais pas si Chivo ça peut le faire. Chivo bold. Ouais, ça le fait à la limite. On va rester sur les valeurs sûres. Lato. Lato, c'est très bien. Hop, Lato, bold, super. Donc là, on a notre Lato. Ensuite, ici, body text, on va garder Lato aussi. Sauf que là, on reste sur regular. Parfait. Donc là, je vous montre comment est-ce que je fais, hein, toutes les polices et tout.
Parfait, les médias sociaux, on peut tout désactiver ici. Pensez toujours à désactiver vos médias sociaux, ça sert à rien. Le favicon, je le mettrai pas pour la vidéo, ça prend trop de temps. Et voilà, après le checkout, après ça c'est aussi à paramétrer. Pensez toujours à mettre les couleurs de votre site, c'est important. Hop. Maintenant on est bon. Alors slideshow. Slideshow ici, moi ce que je vous recommande quand c'est comme ça, c'est d'aller sur les images de Shopify. Elles sont très très bien les images de Shopify. Et voilà, ils ont déjà le Black Friday, Cyber Monday. Ils sont déjà là, ils anticipent déjà Shopify. Donc nous ce qu'on va faire, c'est juste se prendre quelque chose qui colle bien avec notre site. C'est bien, c'est parfait comme ça. I love Black Friday. Et là on va juste changer le titre. Et on va marquer ça du coup. Le cinéma. Je regarde sur mobile parce que ça rend surtout sans limite. Le cinéma. Partout. Super. Donc voilà, ça c'était ce que je souhaitais faire. Maintenant, on a un peu l'esprit, je sais pas si vous voyez un peu là, on fait le truc Netflix parce que on est sur du Black Friday, on a les couleurs du Black Friday. Hop, je vais juste enlever le slide ici. Voilà, on en garde toujours un, moi je recommande d'en mettre toujours un. Et là vous voyez que ça rend déjà super stylé en fait. Hein. En 30 secondes, on a fait déjà un truc super stylé avec Venture. Je vous recommande ce thème aussi. Moi par contre, j'aime pas faire un multi-produit pour le moment. En plus, c'est compliqué à vous le montrer. C'est compliqué à vous le montrer en live comme ça. Donc voilà, désactivez toujours le sharing, le dynamic checkout, c'est important. Et stay on current page. Ok, ça va. Non, on met comme ça, Cinemove, parfait. Hop, ça on le met tout en haut, ça on désactive, homepage, on désactive, on met pas de collection en fait, hein, parce que le but vraiment c'est de, comment ça s'appelle, le but c'est vraiment d'être simple quoi. Alors là, image avec du texte, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une image au hasard, donc là on va importer une free image, et là on va marquer cinéma, hop, super. Alors non, par contre celle-là elle est triste d'image. Alors je vous recommande toujours d'éviter de mettre des images tristes, etc. sur votre site, c'est important. Vous voulez que sur votre que votre client il se sente bien sur votre boutique, c'est important. Donc voilà. Cinéma, à la limite on peut marquer ça, on peut prendre le popcorn comme ça. Ça reste dans nos tons, dans nos couleurs. Hop, et là on mettra simplement un texte. Il ne vous manque que qu'un bon de popcorn. Voilà. Et là après, du coup vous mettez votre texte quoi. Et on reste dans l'esprit de la marque. C'est important. Donc je vous ai parlé d'images de marque sur l'intro. On y est. Donc là juste follow us. Par contre moi je l'enlève parce que ça sert à rien. On n'a pas de social media. Footer menu. Là du coup il faudra juste mettre le menu. Ça vous le ferez. Je vais pas vous montrer ça maintenant. Le but c'est vraiment d'aller vite. Parfait. On modifiera le nom du site du produit parce que j'aime pas le cinéma portatif pour smartphone, c'est trop long. C'est trop long. Hop. Donc déjà notre page d'accueil elle est plutôt pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? On reste simple. Maintenant on va sur la page produit, on va optimiser la page produit. Donc par contre je vous l'ai dit, hein, voilà, on va pas aller dans les détails, etc. Vous voyez ce genre d'image, c'est ça qu'il faudrait qu'on ait comme image, des trucs épurés. Je vais pas passer 40 minutes à faire des recherches d'images, etc. Vous comprenez un peu l'idée. Voilà, ça c'est parfait. Tac tac tac, noir 8 pouces. Voilà, vous voyez qu'on c'est quand même super bien optimisé sur mobile. Par contre je vais désactiver, comme je vous l'ai dit là, le dynamique, c'est ça qu'on désactive tout le temps. Et le share, ça on enlève. Voilà, hop. Donc voilà un peu le truc. Alors il faudra juste sauter des lignes par contre, parce que les lignes n'ont pas été sautées visiblement. Mais vous voyez que ça rend bien, la page elle rend déjà super bien. Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais on reste très simple. Et si vous voulez mettre des upsells après, vous avez juste à mettre comme ça. Vous aimerez aussi. Et là si vous avez d'autres produits, vous aurez des upsells qui seront affichés avec le thème Venture juste en dessous. Voilà, donc là on est bon pour le moment. Je vais sauvegarder. Là maintenant on va aller sur Canva, je vais vous montrer un truc sympa. Comment faire une image pour le Black Friday. Donc là je vais créer un tac tac tac
à la limite bannière de blog là comme ça. Super, et là on va faire un truc très simple, c'est qu'on va chercher Black Friday. Je recommande que des logiciels très simples à utiliser, hein. Black Friday il n'y a pas. Bon bah c'est pas grave, on va leur marquer sales. Vente. Cinéma. On va chercher un produit en fait. On va chercher un truc qui est dans nos. Alors vidéo, tac tac tac. Au pire, on se prend pas la tête plus que ça. On va prendre celui-là. On va garder nos couleurs du site. Là, alors là, faut faire attention à toujours prendre les mêmes couleurs sur votre site. Donc là, on va sur les couleurs du site. Hop, chope la couleur. Je la copie, je l'édite dans Canva. Super. Et là, on va marquer offre moins 50% Black Friday. Voilà, et là derrière on va mettre une image, donc là on va dire photo, on va marquer cinéma. Allez, on va mettre celle-là. Bon, celle-là elle est pro malheureusement, donc il y aura les filigranes Canva. Est-ce qu'on peut trouver une image un peu sympa? Voilà, et là il y a des gratuites. Gratuit, gratuit, gratuit. J'aimerais trouver une image vraiment qui attire l'attention. C'est la seule qu'on a choisie qui est pro, quoi. Bon, après, c'est que du pro. Bon, à la limite, on va mettre celle-là, comme ça, il n'y aura pas le filigrane. Vous aurez compris, le but, c'est de prendre vraiment une image avec un bon contraste. Donc, on va télécharger cette image-là, tout simplement. Télécharger. Et puis après, on va l'importer sur notre boutique. Donc, voilà. Et c'est aussi simple que ça. Hop. C'est comme ça qu'on fait un peu du branding. Je vais vous montrer, maintenant on va revenir sur la boutique. Je vais vous montrer comment est-ce que je vais modifier un petit peu les descriptions produits, etc. De manière à ce qu'il y ait de belles images. Également comment est-ce qu'on va modifier un peu comment est-ce qu'on va modifier un peu notre produit. Ok. Donc là il faut qu'on saute des lignes, c'est important. Hop. Alors peut-être que des fois ça voudra pas sauter des lignes, ce qu'il faut que vous fassiez c'est aller dans le code là. Ouais, c'est parce que le code il est pas bon. Tac. Donc là, profitez de votre série. Ben, ça, c'est parce qu'on a importé avec tout simplement avec. Avec Oberlo, c'est toujours le même problème avec Oberlo. On va pas s'embêter. Je vais récupérer la description. Vous voyez déjà que ça rend super bien, hein, franchement. C'est top quoi. Hop, on est un peu sur l'esprit Netflix comme on voulait. Et voilà, donc là, j'ai récupéré le modèle du site qui est bien fait. Hop. Hop. Terminé. Alors maintenant je vais importer une image, je vais juste faire stopper. Qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Et ouais, il me refait les mêmes problèmes là. Alors quand c'est comme ça, c'est un peu long. Il faut toujours virer virer le code là comme ça. Et c'est des P qu'il faut mettre. Voilà, ça je vous le donne parce qu'il y a des gens qui ont ce problème là. C'est des problèmes de code en fait, simplement. Donc c'est long. Mais voilà, en gros moi je vais vous laisser ici. Je vais couper l'enregistrement, je vais importer les images. Et comme ça après on se retrouve de manière très simple. Ce qui est une image brandée pour Black Friday. On va grossir un peu ça. Alors je vous rappelle, le but c'est pas de faire un truc parfait, étant donné que bah là du coup l'idée c'est de vous montrer comment est-ce que je fais les choses, mais c'est de faire un truc qui rend bien. Donc on va garder un peu en tête notre site. On va ajouter un gros titre ici, on va le mettre en lato. Pourquoi il n'a pas lato? Bon. C'est une blague. Il n'a pas lato. Je pense que c'est bugué plutôt. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'ato? Normalement, il a l'ato au Canva.
Hop. Alors, l'ato. Ouais, c'était bien bug. Donc voilà, on prend l'ato, très simple. Et là, on va du coup marquer le cinéma partout, tout le temps. Hop. Ok, super. Bon, visiblement, on aura eu pas mal de complications aujourd'hui, mais c'est pas grave. Le cinéma partout, tout le temps. Il me refait la même chose. Super. Voilà. Donc là, on a réussi. Hop. Donc là, vous pouvez faire pareil de votre côté. Hein. C'est aussi simple que ça. Hop. Recentrer l'image. Moi, j'aime bien mettre le tout en gras. Il n'y a pas. Ah, parce qu'il m'a mis Arimo encore. Il m'a changé les polices. Voilà. Le cinéma partout, tout le temps. Et là, maintenant, on va prendre le rouge de notre site. Quel est le rouge de notre site? Le rouge de notre site. Hop, je vais récupérer le rouge de notre site. C'est pas facile aujourd'hui. Hein. Hop, voilà. Super. Un graphisme très simple qu'on va importer. Carré, voilà. On va mettre la couleur qu'on souhaite, s'il veut bien. S'il veut bien. Voilà, ça y est, super. Alors, maintenant on va l'étendre un petit peu. Hop, et on va le mettre en arrière. Une fois qu'on l'a mis en arrière, on met positionnement, on met la couleur en blanc, couleur du texte. Voilà, le cinéma partout, tout le temps. Hop, donc là c'est un exemple comme je vous l'ai dit, là vous avez compris un peu l'idée, et là on peut marquer tout simplement Black Friday, je vais essayer de le monter ici, hop, hop, et là on va mettre Black Friday, moins 50%, donc voilà, oh, il veut vraiment pas là aujourd'hui, hein. Black Friday, moins 50%. Voilà, on y est. On se le met en noir. On descend. Yep, super, Black Friday, moins 50%. Et on est parfait. Donc vous voyez comment est-ce qu'on fait un petit branding pour Black Friday, on se prend même pas la tête. Et voilà. Donc je m'excuse s'il y a du bruit un petit peu autour de moi, c'est qu'il y a des gens au bureau et au final ils travaillent aussi. Et c'est pas bien grave après, hein. Le but c'est vraiment de vous montrer tout ça. Alors je vais pas mettre ça en vidéo, je vais mettre ça en JPEG téléchargé. Et je vais vous montrer comment est-ce que ça rentre du coup une fois qu'on l'a importé tout de suite. Donc il y a le nom de notre site, le top ce serait vraiment de changer un peu le nom. Mais bon voilà, vous avez le nom du site, et là vous avez votre menu, ça sera modifié. Le cinéma partout tout le temps, Black Friday, boum. Et là vous avez vos produits, alors à la limite on peut changer le nom du produit un peu, cinéma, Cinemove, cinéma portatif, à la limite comme ça, cinéma mobile, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, donc c'était juste un bug. Alors maintenant on va inspecter, comme ça on l'a en mobile. Et voilà, donc Cinemove, cinéma mobile. Parfait, on a la promotion Black Friday, parfait, là on faudra traduire, etc. Tout ça c'est du détail que j'avais pas envie de trop vous montrer parce que vous avez déjà sur ma chaîne dans tous les cas, si vous souhaitez aller plus loin sur la création de boutique, une vidéo dédiée à ça. Là le but pour moi c'était vraiment de vous montrer comment est-ce qu'on fait une boutique pour Black Friday, donc la description elle n'est pas optimisée, mais vous l'avez vu, là je vous ai montré comment est-ce que je faisais une description, là j'ai rajouté 2-3 trucs, mais vraiment ça rendrait comme ça, là il manquerait peut-être une image, ici là le offre moins 50% Black Friday, commandez le vote maintenant. Parfait. Et puis voilà, on va pas se prendre plus la tête que ça. Comme je vous l'ai dit, là je vais couper sur l'ordinateur. Je vais vous reprendre en face caméra. Je vais vous donner également ce que vous allez devoir commenter pour participer au concours. Tenter de gagner une licence Profitbox, également 50 euros
en cash. Donc soyez bien attentifs, écoutez ce que je vais vous transmettre juste après. Et pour moi, bah, c'était un plaisir de vous remontrer tout ça. Allez, à tout de suite. Voilà, on a fait le tour vraiment. C'était un plaisir pour moi de pouvoir vous transmettre les pépites que je pourrais vous donner pour avoir une boutique optimisée. J'espère que vous avez bien suivi de A à Z tous les points, que vous avez passé à l'action, que vous êtes passé à l'action en même temps que moi. Je rappelle que vous avez le lien quand même Shopify en dessous. Comme ça, vous pouvez suivre la vidéo et appliquer en même temps. C'est important. Aussi, pour les personnes qui sont déterminées et qui souhaitent participer au concours de la vidéo, eh bien, je vous invite à rentrer en commentaire, tout simplement déjà à liker la vidéo et dans un second temps en commentaire à me dire pourquoi est-ce que vous aimeriez gagner ce concours. Sachez que je vais offrir du coup un lot Profitbox, donc je vais donner au gagnant Profitbox, l'accès à Profitbox, la nouvelle entreprise que je suis en train de développer qui permet d'exploser les taux de conversion au travers de plusieurs techniques, astuces et stratégies. Et également, eh bien, je ferai un tirage au sort pour offrir un bon de 50€ sur PayPal ou en virement bancaire au gagnant. Donc si vous souhaitez participer à ce concours, likez la vidéo, soyez abonné et commentez tout simplement, dites-moi pourquoi est-ce que vous aimeriez gagner ce concours. Pour les personnes déjà qui ont envie de passer à l'action, qui n'ont pas envie d'attendre les résultats du concours, vous avez en description les liens pour aller plus loin. Formation gratuite, également l'accès à Profitbox et Scale Up, mon programme le plus complet pour vous faire exploser vos résultats. Pour moi, on a fait le tour. Sur ce, je vous souhaite vraiment de passer à l'action massivement et on se retrouve demain à 18h pour une nouvelle vidéo sur YouTube. C'était Axel, allez ciao!